On va quitter ça. Et c'est là sans faire exprès, notre ami Tonios désactive Internet. Ah, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Les joueurs ont déjà lancé leur game. Je sais même pas sur quelle map on est. C'est génial. La vie est belle, franchement. SBF. Ouais, c'est SBF apparemment. En tout cas, le match est lancé. JRN qui a décidé de sortir son plus beau Terry Bogos. Et oui, ça fait plaisir. Et Pilo, est-ce que ça m'a penché dans le choix du match? Ça se pourrait. Ça se est-ce pourrait. Que j'ai été influencé par le Ça se pourrait. Est-ce que l'impartialité sera non présente de la part de Dixar? Ça se pourrait. Non, en plus, alors, outre le fait qu'il joue Terry, mais j'aime beaucoup Pilo. Pilo est très sympathique, il met fort sympathique, donc autant voir. Parce que Pilo fait des bons trucs avec Toon Link. Donc, Bien sûr. Et puis. Ça me permet d'analyser le match-up. Ça, c'est avant tout ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que tes matchs contre Pilo ou contre Pomme vont être assurément gagnés grâce à ton œil de stratège. C'est exactement ça, Tonyos. On ne peut rien vous cacher. En tout cas, pour l'instant, ouais, ça a l'air de. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de très très bien se passer pour Pilo. Trouve des solutions. Alors, face à Stray Boga. C'est un match-up des enfers un peu pour Terry. Hein. Les persos à projectiles, à approcher, c'est chiant. Hein. Et là pour l'instant le fer qui va pouvoir confirmer tout ça. Hein. Ah, le nerf, dommage, on connecte rien derrière. Le beau grab. Il est bien dynamique la GRN. Il a l'air d'être vraiment aux aguets de tous les projectiles, tu vois, vraiment il fait extrêmement attention de voir tout ça, hein, tout simplement esquiver un peu tout ça. Mais Pilo forcément il fait bien le taf, hein, tout simplement à balancer toute la cuisine de ses projectiles, et c'est ça. C'est Dash Attack qui tue. Vache. Ça fait mal. Vache, putain. C'est Dash Attack qui va tuer, mais quoi? Mais au secours. Comment vous dire que je suis surpris? Tonyos sur le cul. Vraiment, la surprise. Et alors, je sais pas si c'était mal placé ou si c'était une très bonne SDI de Pilo. Parce que c'est pas une SDI évidente. Souvent, les gens se font avoir avec le B. Ouais, c'est vrai qu'il s'en est sorti très rapidement. Mais je pense que c'était une mauvaise hitbox surtout. On a tenté le mix-up avec le side B. Ça peut kill, hein. Ça fait très très mal le side B. Ça va pas pouvoir remonter. Oh, si, pardon, je croyais qu'il avait plus de saut. Si, totalement, on va pouvoir remonter. Et du coup, il y a le go, hein, bien sûr. Qui est présent sur JRN. On rappelle que Buster Wolf et Power Geyser peuvent vraiment faire le taf. Ah oui. Par contre, tu as tilt. Là, c'était mal vu, malheureusement, de la part de JRN. Ça arrive. F-tilt, malheureusement. Oh là là, il se fait vraiment avoir par les projectiles et ce boomerang vraiment qui est vraiment l'un des gros soucis de Terry Bogard, hein, parce que il peut pas approcher entre Link et le boomerang, hein. À moins qu'il fasse un grab et qu'il fasse l'animation pendant que le boomerang y revient, c'est très très compliqué pour Terry d'agresser Toon Link entre deux boomerangs. Et là vraiment il en subit un peu il subit un peu la game, j'ai l'impression, JRN depuis tout à l'heure. Il a pas vraiment son mot à dire. Attention à la backstroke évidemment qui va. Ouh non, très bien, on a pummel un peu longtemps. Dash attack. Plus de saut. Si on avait encore le saut, pardon. Les petits SAB qui vont envoyer très très loin. On fait attention à ce que la flèche ne nous touche pas. Et là, ça me paraît vraiment compliqué. Le Buster Wolf qu'on a vu bourré dans le neutral. C'est ça. Je savais que je le voyais qu'il avait. J'avais l'impression qu'il avait vraiment envie de tenter quelque chose, mais le problème c'est que vraiment. Le poster wolf, tu peux jamais le faire parce que c'est soit tu te prends un projectile pendant l'animation, soit il y a le shield de ton adversaire et t'es en mode bah putain, ça y est. Le seul truc que tu pourrais potentiellement le faire, c'est trouver un power geyser, mais genre quand ton adversaire il est au ledge, que du coup tu essaies de couvrir. Mais là pour l'instant, ça va être vraiment très compliqué. La backstroke qui va pas tuer, mais qui va vraiment mettre JRN dans une sacrée sauce. Et là, il suffirait de pas grand chose pour que Pilo puisse aller chercher la stock, ne serait-ce que sur un B ou une latternade. Il va pas pouvoir passer, mais par contre, le combo avec le Power Geyser qui va pouvoir récupérer la stock de son adversaire. Et du coup, Pilo qui est sur sa dernière stock, mais JRN qui du coup
Et t'as 172%, et là du coup c'est 3 Buster, c'est 3 Power Geyser qui essayent de. Bah, pardon, Buster Wolf qui essaye de passer. Et là, c'est F-Tilt. Oh, bah là. Dommage, on a touché le bout du pied de ce B. Qui a permis à. Qui a permis à Pilo de trouver ses stocks. 1-0 du coup. Yes. Effectivement. 1-0 pour les deux jeux, pour Pilo, pardon. Et du coup, bah, on va pouvoir continuer. Bah ouais, tranquillement. On va pouvoir continuer. Alors, allons voir la phase de ban. Papa, la papa. Pas de changement de map côté JRN, sachant que côté pilon on a banni Yoshi Story, Lilight et Destination Finale. Pas de changement de map. On reste sur champ de bataille. Et pas de changement de personnage non plus, des deux côtés. Que ce soit avec Terry Bogard ou Link. Oh, bah c'est un stage qui est bon pour Terry, c'est un stage qui est bon pour tout le Link. Hein. Tout le monde est content sur ce stage, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a très peu de personnages au final qui sont. J'espère que t'as apprécié, Tonios. C'est vrai qu'au final, il y a très peu de pourcentage. J'arrive plus à parler. Il y a très peu de personnages qui sont désavantagés sur ce stage, on va dire. Bah, j'aurais. Vraiment, c'est assez équilibré, chacun trouve son compte. En termes d'agencement. Mmh. Mais tu vois, par exemple, contrairement à PS2, où la map est plus grande, ce qui peut largement avantager les zoneurs. Surtout avec les deux plateformes, etc. Mais ouais, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est totalement neutre, mais je pense que elle arrange quand même pas mal d'affaires. Et tandis qu'on récupère plus de 100% côté Terry. Du coup, on peut s'attendre à avoir un petit Power Geyser ou un Buster Wolf dans très peu de temps. Ouais, par contre, ouais, là, c'était un peu rapidos quand même. Hein. On a remonté un peu vite. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, c'est un peu ça qui le fait un peu. Il lui porte préjudice à JRN. Il cherche un peu trop à remonter un peu trop vite, etc. Ce qui fait qu'il se fait beaucoup avoir par les attaques de pilon. Oh, par contre, ce side B qui trouve. Ok. Ah, très bien. Ok, très bien. Et du coup, forcément, on met la grosse branlée de projectiles. Ok. Trop petit, du coup, il touche pas le traction. Bah ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, bah tiens, on a voulu faire un combo, mais peut-être que c'était pas le bon qui est lâché. Malheureusement, il était en effet trop petit sur ce reverse side B, hein, vous le connaissez tous. Le side B à l'envers. Que tout Link se fait exploser avec sa propre bombe. Mmh. Ouais, il se fait exploser, mais bon, pour l'instant, ça a pas trop l'air de le déranger. Oh, hein. Il est quand même à 38%. Ok, on a Clank pour ensuite retrouver un petit combo à 64% face à ce Toon Link. Et pour l'instant, peut-être que ça va aider JRN à trouver une solution face à ce Toon Link qui, tout simplement, continue de camper hein, sur ses positions pour éviter de se prendre le Terry Bogard au corps à corps. Et j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans son jeu, Terry, depuis tout à l'heure, parce qu'il recule, alors que peut-être que son rôle, ça devrait être vraiment d'agresser. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive vraiment pas à trouver de solution pour pouvoir approcher ce pilot. Et du coup, il se recule pour pouvoir faire des projectiles et re-essayer de venir vers l'adversaire. Et du coup, ça rentre un peu dans le jeu de pilot qui, lui, tout simplement, dit « Bah ok, tu veux t'éloigner, bah du coup, moi je reste loin, je te balance, j'ai 3 projectiles, mon gars, donc du coup, bah j'ai pas besoin de t'approcher. Moi, je t'approcherai uniquement quand tu seras à plus de 150%. » Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, là, c'était à JRN de s'approcher. Et malheureusement, ça rentre totalement dans le jeu de pilot qui continue de mettre la sauce à son adversaire. Mais quand même, à 92%, il peut se prendre des sauces. Il peut se prendre des petits combos. Mais là, le jab-jab Power Geyser, pas vraiment présent dans ce match. Hein.
Ouh, ça c'était bien ça. Ça c'est super intéressant. Là, du coup, la bonne remontée de Pilo. La remontée de Pilo qui était bien, certes. Mais ah ouais. Qui. Oh, bah non. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah non. Oh, ouais. Oh, bah non. Et comme vous l'avez dit en début, hein, pour Terry Bogard, c'est ultra chiant ce match-up. Ouais. En fait, les leaks, d'une manière générale, sont ultra chiants à cause du nombre de projections.